Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans un nouveau challenge pour moi-même. Parce que comme je vous ai dit, ou pas, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai oublié mon thé. Je me disais, il me manquait un truc. Enfin bref, du coup je disais quoi? Oui, du coup je me suis lancée dans un petit... En fait j'ai décidé qu'en 2021, j'allais me lancer plus dans des trucs... Enfin me lancer plus dans l'inconnu, on va dire. Et faire un peu plus de choses que je ne ferai pas en temps normal. Donc arrêter mes maquillages rose et orange, n'est-ce pas? Et du coup j'ai décidé que dans ce que j'ai décidé d'appeler du coup le Sunday Makeup, je vais en fait tirer au hasard. Alors attendez, je vais vous montrer. Sur mon téléphone, en gros, j'ai plein d'idées comme ça. Ça c'est des inspirations make-up en gros. Et il y en a, je l'ai noté en bas, 61. 61 idées, je les ai prises sur Pinterest, il y en a qui viennent de mon cerveau aussi. Et d'autres qui viennent juste d'inspi que j'ai vu sur Instagram, Pinterest, partout. Et en fait, je vais tirer un nombre au hasard, donc entre 1 et 61. Pour le premier parce que il y en a 61, mais quand on va faire aujourd'hui, la semaine prochaine, il n'y en aura que 60, normalement, sauf si j'ai des nouvelles idées. Ou que j'en trouve des nouvelles. Et du coup, on va tirer ça au hasard maintenant. Et du coup j'ai pas vraiment le temps de réfléchir à ce que je vais faire avant de le dessiner, de faire ceci, de faire cela. Donc ça va pas être de l'impro parce que je vais quand même y réfléchir après l'avoir tiré. Mais je vais pas passer 3 heures à réfléchir quoi, vous voyez ce que je veux dire? Du coup je vais tirer ça sur les trucs de nombres aléatoires. On va faire ça tout de suite, j'ai une application exprès parce que j'ai tout installé. Hop, random machin, donc de 1 à 61. On va appuyer sur generate. 30. Alors 30 c'est quoi? Mat. Donc un make-up full mat. Ok, ça me va. Le mat, bon, c'est pas le plus difficile hein, pour commencer, donc c'est parfait. Ok, donc on va commencer. J'ai préparé tous mes produits pour un total look mat. C'est parti. Du coup je viens commencer avec ma base Make Up Forever. Je vais faire, faut que je fasse attention en fait à pas en mettre trop. Là où j'ai mon piercing parce qu'il est encore récent. Ça fait genre 2 semaines que je l'ai. Peut-être 2 je crois, je sais plus. Je l'ai fait le 9 janvier, nous sommes le 22. Pourquoi j'ai une paillette? J'ai des paillettes. C'est quoi ce délire encore? Du coup ce que je fais en fait c'est que quand je me maquille, je maquille autour de mon piercing et après je viens le renettoyer quand même. Et comme d'habitude je viens pas en mettre sur mon front parce que je ne maquille pas mon front quand j'ai, bah, depuis que j'ai ma frange. À part si vraiment je sais que je vais l'enlever, mais là va rester. Par contre j'ai vraiment des paillettes partout et j'en ai absolument aucune idée de pourquoi. Et là c'est pas cool parce qu'en fait on voit un total look mat les copains. Donc les paillettes s'il vous plaît partez. Oh putain j'ai dit j'ai tout préparé hein. J'ai ni pinceau, j'ai pas de pinceau en fait. Je continue avec le fond de teint Stay Naked de Urban Decay. Je l'ai en teinte 20NN. Il est vraiment pas mal ce fond de teint honnêtement, mais je pense que si je le rachèterais, si j'ai à le racheter, je pense que je le reprendrais une teinte plus claire. Pour les correcteurs, je viens prendre le Conceal and Define de chez Make Up Revolution. Il est mat hein, et il est vraiment vraiment pas mal celui-là, je l'aime beaucoup. Et en plus il est pas cher. Et j'ai estompé avec ma petite éponge de chez Beauty Bay d'ailleurs. Je l'aime beaucoup aussi, ils sont vraiment très très bien. J'étais en train de réfléchir, est-ce que je dois mettre du coup de l'highlighter si c'est un total look matte? Vu que c'est un total look matte, je ne vais pas mettre d'highlighter. Oui, moi aussi je suis triste. Mais on respecte les règles. Du coup, je vais venir utiliser, je vais venir poudrer mon teint avec la Invisible Touched de chez Kiko. Qui est vraiment très très bien comme poudre. J'adore cette poudre, mais bon, elle est un peu relou quoi. Déjà le packaging est très chiant. Et il y a un reflet flashback. C'est pas foufou. Je viens prendre le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Je l'ai en miniature. C'est la teinte Medium Deep. Et je viens du coup le mettre sur mes zones habituelles de bronzer. Dans le creux de mes joues. Enfin, je viens juste pour mettre sur mon nez parce que je vous ai dit, comme j'ai le piercing, je mets pas trop, j'essaye de pas trop mettre de produit sur mon nez. Pour pas non plus
que ça s'infecte ou je ne sais quoi. Bref, j'ai un peu peur. De toute façon, je suis vraiment une trouillarde à ce niveau-là. Déjà pour le faire, oh là là. Je suis allée avec une de mes amies. Je suis passée avant elle du coup parce que j'avais un peu peur. Et c'était... c'était assez drôle. Bon, le perceur que j'ai eu était vraiment très gentil. Du coup, il m'a fait rire. Donc il m'a détendu. Mais bon, c'est un gros sketch. Et ça s'est très bien passé finalement. Maintenant, j'attends juste de pouvoir mettre un anneau parce que bah, c'est pas très beau le strass. Enfin, moi j'aime pas. Pour le blush, je vais venir utiliser le blush de chez chez Glam. Je l'ai en teinte 01 Tangerine. Et voilà, je vais venir utiliser la couleur la plus pêche parce que c'est ce que je préfère. Et alors, je ne sais pas doser ce blush. On est pas trop mal niveau blush là. Pour les sourcils, je vais utiliser ces deux produits là, donc mon crayon de chez Sephora et un fixateur en cire qu'il faut que je termine aussi de chez Adopt. Je vais les faire hors caméra parce que c'est pas super intéressant, en plus on va pas les voir avec ma frange. Hop, on passe aux yeux, alors du coup je vais utiliser la base Pélouise que j'ai en teinte 1, c'est pas la teinte la plus claire c'est la 05, que j'ai aussi d'ailleurs, mais j'attends de finir celle-ci avant de l'ouvrir. Hop, et je viens avec l'autre côté de ma petite éponge pour estomper la base. Du coup pour la palette j'ai décidé de ressortir la palette j'oublie le nom, On The Rocks. C'est un dupe de une de chez Anastasia que j'ai oublié laquelle, mais c'est un dupe d'une de chez Anastasia. C'est de la marque W7 et cette palette dans mes souvenirs était vraiment pas mal, mais ça fait très longtemps que j'avais utilisé, donc je me suis dit pourquoi pas la ressortir maintenant. On a dit un full mat, il y a des mats, je sais pas du tout dans quoi je vais me lancer. Je pense que je vais partir dans les tons bleu vert jaune. Je vais déjà venir prendre un fard beige. Là j'ai celui-ci de chez Sephora. Je vais prendre un petit pinceau angle et je pense que je vais venir prendre le fard Magnum qui est ici. On va partir sur une forme un peu liner. Je vais directement la descendre en bas. Je sais pas ce que j'en pense. La symétrie, c'est pas mon point fort. Voilà. Au cas où ça se verrait pas, je vous le dis. Je vais prendre un pinceau, vous savez, c'est pas pinceau fluffy mais plat. Avec le fard Martini Olive. C'est Martini. Et je vais venir estomper. Je vais m'en servir pour estomper le. J'aurais dû prendre un pinceau plus petit. Je vais reprendre l'autre pinceau pour rajouter le premier fard. Je vais prendre un petit pinceau et le fard Pina Colada pour terminer mon dégradé en gros. Je vais juste prendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le beige pour finir bien le dégrader bien le jaune. Ok, donc je pense qu'on va s'arrêter là. C'est plutôt sympa honnêtement, je pensais pas faire ça mais ça me convient. Du coup je vais venir mettre mon mascara. Je vais venir utiliser le The Mascara de chez Sephora qui est vraiment très très bien, étonnamment. Et je vous retrouve juste après. Pour le rouge à lèvres, je vais venir tester celui-ci de chez Kat Von D, KVD Vegan Beauty, ça a changé maintenant. C'est un, c'est le Lolita, c'est le plus connu. Alors il est très très beau, mais je sens déjà qu'il va être assez chiant. Après j'ai déjà les sèches, oui, une lèvre. Sèche. Ouais, donc du coup je disais, je sens déjà qu'il va être assez chiant. Mais bon. Bon, bah un coup de fixateur. Je vais utiliser le Urban Decay. Parce que c'est le seul que j'ai qui est presque vide. Du coup, pour un premier Sunday Makeup, c'était pas. Franchement, c'était assez simple. C'était pas un challenge, genre tout mat, ça va.
J'avoue que ça me manque un peu d'highlighter, mais sinon ça va dans l'ensemble. Désolée pour le bruit, c'est mon rat qui boit. Il s'appelle Cosmo. Voilà, donc bah, il boit et j'ai un petit appart, hein, donc nous sommes dans la même pièce. Il a soif. Je vais boire aussi, hein, tant qu'on y est. Chin. Bref. Du coup, oui, pour le premier challenge, c'était quand même relativement simple. Je suis tombée sur un truc assez facile, donc je suis plutôt contente. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des idées de challenge comme ça que je pourrais ajouter à ma liste, à le mettre dans les commentaires. Ça serait vraiment... Ça pourrait être drôle si je tombe dessus et que c'est des trucs un peu what the fuck. Mais voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve dimanche prochain pour le prochain Sunday Makeup et mercredi pour une vidéo classique, un peu plus je ne sais pas quoi, mais une autre vidéo. Bisous! Ah, il avait soif encore.